Notre confession traditionnelle n'est pas intéressée sur l'apparition de telles mosquées non officielles. Et nous menons le travail officiel avec des organes du pouvoir et on essaye de cesser l'activité de telles mosquées non officielles. Bien sûr, si c'est notre mosquée officielle, notre office de représentation, bien sûr, nous sommes responsables pour leurs paroles, nous sommes responsables pour leurs serments. Et dans ce cas-là, si nous parlons de notre confession traditionnelle, bien sûr, nous sommes responsables. Il faut donner la possibilité de construire des mosquées non seulement dans des régions musulmanes, mais aussi dans des régions où il y a des communautés musulmanes qui ont besoin. Si nous n'avons pas préparé de nos imams dans des séminaires officiels et envoyé nos représentants dans des communautés musulmanes qui ont besoin de leur propre mosquée officielle, alors ça sera la mosquée non officielle qui ne sera pas contrôlée par nous. Bien sûr, dans l'islam, il y a la radicalisation, mais dans l'islam, il n'y a pas des idées radicales. Dans n'importe quelle confession, n'importe quelles idées peuvent être considérées comme des radicales. Le travail avec des migrants, nous le passons à la base constante. Si entendre les paroles des imams, vous pouvez entendre ce que la communauté musulmane, nos croyants, c'est qu'ils soient bien tolérants pour toutes d'autres religieuses. Par exemple, je suis sur l'avenue de paix. C'était entre 13 et 14 000 des croyants qui arrivent pour le serment. Sans prendre en compte des fêtes religieuses, bien sûr, des croyants arrivent pour des sermons. Ils attendent des paroles d'imam. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas visiter tous les sites de construction où les migrants travaillent. Et pas tous les migrants visitent nos centres religieux. Si, bien sûr, nous allons construire plus de mosquées, pour couvrir la quantité plus grande des croyants, y compris des migrants, bien sûr. Comme ça. OK. Grand merci. Grand merci sur vos questions. Roushan, pour le moment, il écrit sa thèse de doctorat. Il travaille dans le domaine de l'influence de religion dans la vie civile. Un grand merci pour votre participation. Maintenant, je voudrais donner la parole à notre invité des États-Unis, le président de séminaire Saint-Vladimir. It's a great honor for me to sit at this table, particularly with this particular topic. Для меня это большая честь находиться в этом зале за этим столом и обсуждать эту тему. At St. Vladimir Seminary, in addition to being an administrator, au niveau du séminaire de Saint-Vladimir, je ne remplis pas seulement les fonctions administratives, mais je suis également professeur pour les futurs missionnaires. Le travail des missionnaires reconnaît que les gens ont tendance à vouloir recevoir la religion, à l'adopter. Et le fait que nous, chrétiens orthodoxes, nous représentons seulement 1% de la population états-unienne, malgré tout, notre voix est très importante lorsqu'on parle en termes de dialogue interreligieux. Saddled with a
American taxation of religion, but freedom of expression of your religious faith. La Constitution américaine a une compréhension de la religion telle que ce, pas dans le sens de la liberté, mais comprend, en fait, la Constitution américaine comprend la religion comme une possibilité de trouver sa voie, comme une opportunité de choix et pouvoir se s'exprimer en termes de religion. With an organized religion. Les études statistiques disent c'est que peu de personnes se disent être attachées aux confessions centralisées. C'est le point de vue a été opposé par le sociologue de religion dans l'Institut de Berkeley, à Bailey. Il confirme que les Américains cherchent l'expérience religieuse non seulement dans les buts de spiritualité, mais aussi pour le développement spirituel de communauté. Et l'expérience de l'Amérique des dernières années, essayons les sommes pour tout le monde, c'est que la religion n'est pas au-delà de société. C'est que ça ne doit pas quelques interdictions pour la religion dans l'espace public. Un grand merci et maintenant je voudrais donner la parole au président du comité sur des affaires des nationalités. Ok, s'il est absent, je donne la parole. Alors, on disait de Vassili Vassilievitch, il y a un autre mot, quand le pouvoir est passé. Alors, maintenant, je donne la parole pour M. Tishkov. Pour M. Tishkov, académicien de l'Académie russe. Ok, Émile Abramovitch, quand même, je donne la parole à vous. Émile Payn, qui est le chef du Centre d'études d'extrémisme et de xénophobie. Grand merci pour votre invitation. Je crois que Gaïdar de Forum, en ensemble, et notre session peut être vue comme le modèle d'interaction positive et de paix, j'espère fructueuse, au niveau de diversité ethnoculturelle. Ici, des représentants des idées de Gaïdar ou ceux-ci qui ne sont pas attachés aux idées de Gaïdar, des représentants de confessions différentes ou des athéistes, des représentants de quelques communautés ethniques, d'États, des écoles scientifiques, etc., etc. Ou dans les conditions de telle diversité, il y a quelques unions, interactions. Quel institut réel ou de type de société ressemble à toute cette union? Bien sûr, ce sont des agglomérations et des grandes villes. Moi, je mène des projets dans le cadre de RANEPA et du Centre d'études d'extrémisme et de xénophobie. Je travaille sur leur travail, les nouvelles méthodes de régulation, sur les nouvelles approches
d'interaction dans des villes. Et c'est que nous proposons de mettre le système de planification stratégique dans des villes. Alors, nous proposons des nouveautés. Premièrement, c'est la générosité de société. Nous ne pourrons pas dire c'est que quelques périodes existaient quand les villes vivaient sur quelques bases uniques de valeurs. C'est toujours les villes existaient dans la réalité des contextes multiples, des conceptions multiples. Et en étudiant l'histoire du développement des villes, en commençant de l'Égypte ancienne, les villes toujours n'étaient pas dirigées juste par les pouvoirs. Il y avait toujours quelques interactions horizontales, non seulement le dialogue, mais quelques formes d'interaction existent toujours. Et c'est le sens de vie de la grande ville. Alors, le sujet de notre étude sont des mécanismes d'interaction dans des différentes cultures, des communautés dans des grandes villes. Des communautés religieuses, des communautés scientifiques, etc., etc. Nous essayons de faire des analyses. Comment telle diversité peut être le mécanisme non seulement qui donne la naissance aux problématiques, mais qui peut résoudre ces problématiques. Nous avons refusé d'une approche traditionnelle d'étude d'apparition des conflits. On essaye de comprendre pourquoi ces conflits sont adoucis par l'interaction entre des communautés dans des grandes villes. Alors, c'est le sujet d'étude. Dans des différentes régions, nous avons choisi les villes qui ont le niveau de conflits le moins. Pavlograd, Stavropol, Rostov, qui sont les villes avec le niveau de conflit le plus bas. Ufa, par exemple, pas Kazan. Et telle approche nous donne la possibilité de faire une étude pourquoi quelques villes sont moins conflictueuses qu'autres. On essaie d'étudier les mécanismes de cette autorégulation. Alors, le troisième sujet, c'est notre proposition sur l'addition pour le paradigme de politique nationale. Ce que nous disons, c'est la gestion de diversité ethnique et régionale. Nous croyons c'est que les mécanismes sont plus valables que la question de politique nationale. Parce que dans cette notion, il y a la notion comme la nation civique. Et cette notion n'est pas du tout claire comme notion, cette notion-là. Mais la plupart des textes, si on va voir la stratégie de politique nationale, est liée avec la nation comme une notion traditionnelle. Et notre ministère porte le nom l'Agence sur des affaires des nationalités, à vrai dire. Si on parlait d'une approche générale, c'est une doctrine sur des relations traditionnelles interethniques. Mais dans tout le pays et dans les grandes villes, on ne peut pas séparer quelques communautés dans une ville ou dans une autre parce que la situation se change très très vite. Parce que telle communauté, elle peut dire c'est que nous sommes une communauté ethnique. Après ça, ça change. Ils peuvent dire nous sommes une communauté religieuse. Alors tout ça change très vite. Mais bien sûr, la religion, elle n'apprend pas l'agression comme la mobilité de session. N'importe quoi, la foi, n'importe quoi, l'approche ethnique peut nous faire mobiliser. Nous pensons qu'aujourd'hui,
les structures qui étudient les problèmes ethniques séparément et les problèmes ethniques séparément et religieux séparément, nous pensons que c'est une approche assez erronée. Nous devons trouver une approche plus complexe, plus complète, qui prendrait en compte aussi la diversité ethnique, culturelle. Nous pensons que ce serait plus positif. Nous pensons aussi que la gestion de la diversité culturelle, nous pensons que cela doit se faire, y compris au niveau de la politique étatique. Nous devons prendre des mesures pour, effectivement, pour qu'ils puissent avoir un bon vivre entre personnes de différentes cultures, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse, femme, homme, et quelle que soit leur profession. Troisièmement, nous pensons qu'il faut revoir les bases de la théorie de modernisation, que ce qui dit... En fait, pour résumer, pour parler brièvement, l'universalisme. Nous sommes contre cette approche. Et parce que l'Europe ou les États-Unis, ils ont créé leur nation autour d'une majorité ethnique, alors qu'en Suisse, par exemple, il y a une approche différente en ce sens. Par exemple, la majorité ethnique allemande en Suisse, par exemple, n'a pas dominé les autres groupes. Prenez l'Inde aussi. La majorité ethnique et religieuse, cela ne forme pas forcément la majorité politique. Donc, nous n'avons pas encore discuté au niveau de la Russie quelle méthode nous devons adopter pour nous-mêmes, compte tenu de notre réalité ethnique et religieuse. Je pense que nous devons discuter de ça aussi. Aussi, il faut tenir compte de la spécificité russe, comme d'autres pays aussi. Il faut aussi prendre en compte le rôle qui est joué par l'État et par la société. En Russie, il y a une approche, et ailleurs, il y a une autre. Par exemple, Juan Lindsay, en 2004, avait proposé de diviser les notions de nation state et state nation. Parce que pour bien séparer justement les notions de nation, d'État, de société, et nous devons aussi déterminer en Russie, compte tenu de nos particularités, nous devons aussi trouver la bonne approche. Je sais, j'essaie de ne pas prendre trop votre temps. J'aimerais dire aussi une chose. J'ai donné quelques théories que je pense être justes. Certes, bien sûr, Valéry Alexandrovitch peut ne pas être d'accord avec moi, mais c'était mon avis, mais c'était mon point de vue. Валерий Александрович, а вы? Кнопка у вас впереди. Нет, с другой стороны. За бутылкой. Спасибо. Merci. Валерий Чичков. Nous venons de terminer aussi un travail important récemment. Et notre travail est déjà disponible en mode électronique. Cela s'appelle les problèmes culturels des nations modernes. Et notre spécialiste, nos meilleurs spécialistes ont pris part dans ce grand travail collectif. Certains appartiennent aux universités. Et ceux qui travaillent dans ce domaine, j'aimerais que vous portiez attention aussi sur le travail que nous menons en ce sens. Il y aura aussi un article qui va sortir dans les prochains jours à Nezavisimaya Gazeta qui parlera de ces questions. Ce qui a été formulé quand on parle de la diversité culturelle, religieuse, c'est un mot très bien et très connu au niveau mondial. Sauf que cette approche a aussi une autre partie. Ça s'appelle l'unité dans la diversité. Ou bien aussi la notion qui dit de plusieurs peuples formés un. Dans beaucoup de pays, cette approche est la base même de l'État. Et comme aujourd'hui, nous avons aujourd'hui cette dialectique de deux choses, à savoir soutenir le soutien à la diversité,
et pas seulement dans la variante, pas seulement via l'amitié des peuples, mais aussi via un peuple d'amitié. Parce que l'amitié des peuples, c'est une notion assez faible, puisque parfois les peuples peuvent être amis et le lendemain devenir ennemis. Nous avons connu des exemples comme ça. Comme par exemple notre président, lorsque notre président rend des visites dans des républiques nationales, lorsque par exemple il visite le Bashkortostan et on l'accueille avec des slogans en disant le Bashkortostan est pour toujours au sein de la Russie, c'est une approche qu'aux États-Unis par exemple on ne verra pas. Donc il y a une particularité proprement russe. Et donc effectivement, comment gérer notre pays compte tenu de ses spécificités ethniques, culturelles, religieuses, c'est une question effectivement tout aussi importante que les défis économiques que nous avons. Parce que même en ayant des ressources importantes, parfois une mauvaise gérance des ressources culturelles et ethniques peut rendre un État pourtant très riche en termes de ressources, le rendre dans un État pitoyable. Lorsque l'URSS a éclaté, nous devions identifier l'identité russe pour faire comprendre tous qu'est-ce que ça veut dire être russe. L'une des choses très importantes qui a eu lieu au niveau de notre mentalité, c'était bien sûr le retour des instituts religieux et tout ce qui est lié aux instituts religieux, notamment les mouvements de pèlerinage et d'autres choses très utiles. Ce changement de cap est arrivé un peu en retard. Par exemple, en 1992, lorsque j'ai passé 7 mois dans le gouvernement d'Egor Gaïdar, j'avais 2 ou 3 rencontres brèves avec lui, et nous avions parlé du projet de la Constitution qui était proposé à l'époque, un projet de Constitution. Et j'ai proposé à l'époque de faire une préambule, de dire que nous sommes un peuple multiethnique. Nous sommes une nation multiethnique et non pas un peuple multiethnique. Pour justement souligner le terme de nation. Puisqu'on parle d'économie nationale, on parle de politique nationale, équipe nationale olympique, leader national. Donc je pense que moi j'avais voulu que l'on mentionne que nous sommes une nation multiethnique. Et puis de toute façon c'est une pratique internationale. Vous savez, nous faisons partie de l'ONU nous allons toujours faire partie de l'ONU. Donc même si un pays comme l'Inde se considère comme une nation unie, la Russie est d'autant plus une nation avec sa grande histoire, notamment en termes de l'identité, qui est aujourd'hui très forte au niveau des citoyens russes. Si à l'époque des années 90, il y avait encore l'identité soviétique, y compris et notamment ethnique, c'était un facteur très important aussi. Il y avait le facteur ethnique qui est très utilisé, notamment dans la première partie des années 90. Aujourd'hui, toutes ces formes d'identité, tout en sachant que ça reste très important, les appartenances régionales, confessionnelles, ethniques, d'après tous les sondages que nous avons menés au niveau russe ou international à l'intérieur de la Russie, nous voyons qu'aujourd'hui, l'état de nation, le fait d'être russe, est à la première place. C'est l'identité la plus importante et la plus reconnue par les citoyens. Donc, je ne pense pas que nous devons pas refuser le terme de nation en termes d'ethnoculturel et reconnaître qu'une seule nation au lieu des 193 nations. Non, bien sûr que nous restons un peuple multiethnique. Personne n'a dit le contraire. Mais j'aimerais vous inviter à lire l'article de la grande encyclopédie russe qui explique assez bien qu'est-ce que veut dire le terme de nation. Quelle est la signification, la symbolique. Et notamment l'état de nation civile
et les différents concepts qui existent. Donc, Yegor Timurevitch, Yegor Gaidar avait dit une chose très importante à l'époque, je vais vous en parler aujourd'hui. Il m'avait dit une chose, il m'a dit, tu sais, on est en train de réformer notre économie. Nous avons complètement changé la politique d'une façon radicale. Nous avons des problèmes. Donc, attends, il faut reporter cette question un peu à... J'étais d'accord avec lui à l'époque. Et effectivement, le fait d'interpréter le peuple russe, la nation russe, comme une société civile, c'était une notion déjà discutée à l'époque de Boris Yeltsin. À l'époque, Igor Gaïdar était encore au niveau des conseillers de la présidence russe, donc de l'époque. Mais le temps est passé. Et nous pouvons plus forcément travailler dans la notion qui a été adoptée à l'époque soviétique, à savoir l'amitié des peuples, et c'est tout. Non, nous devons évidemment quand même consolider cette notion de nation. Je ne connais pas d'État, je ne connais pas personnellement d'État qui n'aurait dit qu'ils ne sont pas des États nationales. Toutes les nations, principalement, se considèrent comme étant des États-nations. Non, prenez l'exemple britannique. Évidemment, certains disent qu'il faut passer de l'approche britannique envers l'approche anglaise, mais à mon avis, cela n'arrivera pas sous peu. C'est vrai que certaines personnes ici ont peur en pensant que nous allons mettre de côté l'appartenance de Russes ethniques en se basant uniquement sur le fait d'être citoyen de Russie. C'est vrai que... Donc en fait, je pense qu'il est parfaitement compatible d'avoir une double identité, être ethniquement russe et être citoyen russe, appartenir à la nation russe. Au niveau du conseil présidentiel des relations interethniques, nous travaillons beaucoup en ce sens, notamment au niveau de la stratégie de la politique nationale. Nous avons reçu des conseils, des avis en ce sens très importants de la part du président. Un comité de profil a été spécialement créé au niveau de la Douma, la chambre basse du Parlement, qui doit aussi travailler là-dessus. Notre académie aussi travaille à ce niveau. Je pense que nous travaillons dans la bonne direction. Oui, nous recevons des critiques assez fortes. Nous recevons des critiques principalement de la part de ceux qui veulent se baser uniquement sur l'interprétation de l'appartenance ethnique, en disant qu'une nation ne peut pas avoir lieu en Russie parce que nous avons trop de peuples. Ça, c'est ceux qui nous critiquent le plus. Pourtant, si on prend l'expérience internationale, on voit bien qu'il n'y a aucun problème là-dessus. La seule ville de Londres est plus multiethnique que toute la Russie. Donc nous devons avoir une approche calme, nous devons expliquer et répondre aux critiques que nous recevons. Au niveau du conseil du présidentiel, en octobre, nous avions une rencontre. Nous avions eu une discussion très houleuse, mais depuis, les émotions se sont un peu calmées et aujourd'hui, nous avons la possibilité de parler plus calmement pour discuter de la stratégie nationale, y compris au niveau de nos régions et au niveau de l'union professionnelle. Nous avons beaucoup de problèmes au niveau médiatique parce que les journalistes aiment souvent trop résumer la chose ou donner des formulations trop dramatiques. Donc les médias, à ce niveau, n'ont pas été nos alliés, malheureusement, pour pouvoir justement mieux expliquer notre compréhension d'État-nation, pour mieux expliquer que nous sommes un peuple, certes, divers, au niveau ethnique, religieux, mais unique, unifié, et que nous avons beaucoup plus de choses communes que de différences, y compris de tous ceux qui sont assis ici à côté de moi et qui sont des citoyens de Russie. Merci. En même temps, je donne la parole au chef du comité sur des affaires de nationalité. Grand merci.
Aujourd'hui, nous avons eu le jour de conseil aussi. C'est voilà pourquoi j'étais un peu en retard. Et j'ai eu le projet de loi. C'est que j'ai proposé. Et je dis toujours, c'est que le sujet de politique nationale et les questions de politique nationale, ça touche les questions différentes. Aujourd'hui, nous avons le projet d'une loi, c'est que le représentant d'une de nos régions a proposé sur la situation avec des familles et avec les divorces. Est-ce que vous connaissez ce que sur une mille de personnes, sur une mille de mariages, c'est plus de 750 divorces. Vous comprenez? C'est la situation tout à fait catastrophique. Et voilà, c'est considéré comme l'un des axes des politiques nationales. Et uniquement 10% des personnes qui étaient questionnées, ils disaient ce que à tout prix, ils vont conserver leur mariage. Et à 70% de toutes ces situations, c'est la famille qui existait moins que 10 ans. Si nous serons d'accord pour ça et dire, mais c'est la liberté, c'est tout le monde qui est d'accord. Si les personnes ne veulent pas conserver le mariage, ils peuvent le quitter librement. Mais je dis, mais non, à l'époque soviétique, c'était le mécanisme. Quand on ne donnait pas les 3 mois pour le divorce pour des familles avec des enfants, on donnait plus. Des experts, des spécialistes, les représentants sur le travail, ils essayaient de conserver la famille, d'influer sur des personnes qui veulent faire le divorce. Et je crois c'est une chose très positive de l'époque soviétique et il faut utiliser cette expérience de conservation des familles. Sur l'initiateur de divorce, d'habitude, c'est un homme. Et si nous parlons avec la situation avec une famille où il y a des enfants qui ont quelques problèmes physiques ou mentaux, alors l'homme, tout de suite, il veut se divorcer avec la femme qui donne tel enfant handicapé. Et après, je voudrais vous dire aussi, c'est que chaque jour, je reçois beaucoup de lettres qui sont liées avec la question de loi sur des nations. Je reçois des propositions de 50 pages de contenu, et je veux dire officiellement, n'importe quel comité n'est pas encore commencé d'organiser ce projet de loi. Il y a une tâche de président et je voudrais lier le document, le présidium du Conseil auprès du président de la Fédération de Russie sur des relations internationales, proposer une proposition, juste une proposition sur la préparation du projet de l'acte normatif qui pourrait régulariser le domaine de l'union des nations du peuple russe. Alors, il y a 4 stages. Proposition sur la préparation de telle loi. Alors, le président comprend très bien ce qu'il faut aller très doucement pour discuter ça à différents niveaux, au niveau des régions, au niveau des experts, et uniquement après la coordination, après la discussion très profonde qui sont discutées sur les plateformes, uniquement après tout ça, ça peut être le papier normatif sur l'union de nations. C'est voilà pourquoi je voudrais dire
c'est que nous sommes très attentifs à ce problème-là. Le président nous disait, il s'agit d'une question, comment unir le peuple qui se compose des nations différentes. Parce que le président, il est très soucieux. C'est que notre pays est très multiculturel, multinationnel. Et le président, il cherche des possibilités d'aller ensemble, d'unir la nation. Il cherche des moments positifs qui peuvent unifier la nation. Unifier, mais pas détruire. De temps en temps, nous-mêmes, nous pouvons déséquilibrer la société, par exemple, en essayant de construire quelques monuments qui peuvent nous séparer. Par exemple, pour ces monuments, on a fait des monuments pour des travailleurs, pour des héros de quelques guerres. Et le président, il nous charge la responsabilité pour la préparation du projet d'une loi. Je voudrais encore dire, c'est que notre comité qui a été refait de nouveau, nous sommes très attentifs sur l'interaction avec nos organisations de jeunesse, avec leur formation, parce que nous comprenons, parce que si nous n'avons pas engagé les représentants de la jeunesse pour la formation de ce grand travail qui doit nous unifier, alors on n'aura pas le succès. Alors je demande à tout le monde nous assister, comment assister à la jeunesse et engager la jeunesse dans le travail sur ce projet-là, parce que quand nous parlons, c'est quand il y a une organisation sociale, ils doivent assister à l'État, mais nous ne donnons rien à ces organisations. Nous les donnons quelques pouvoirs, quelques adaptations culturelles, mais quels instruments ces organisations doivent avoir? Probablement créer quelques registres de telles organisations et de leur doter des finances, quelques supports financiers pour que telles organisations puissent être des partenaires de l'État pour unifier la nation. Alors, nous avons plein de propositions, nous avons plein d'idées. Nous vous invitons de s'engager dans notre activité. Nous sommes prêts. Nous pourrons donner les paroles à tout présent. Nous n'avons pas des sujets couverts. Nous n'avons pas des sujets fermés. Si nous avons mal de quelque chose, nous devons le discuter. Si ça sera fermé, alors ce sujet aura du mal. J'aimerais rejoindre vos idées très justes en ce sens. Parce que le groupe de travail au niveau du conseil présidentiel, je le dirige. Donc toutes les propositions que vous allez envoyer à la Douma, au Parlement, s'il vous plaît, transmettez-les-moi également. Je vous remercie. Chers collègues, si je comprends bien, nous avons aussi promis une discussion française. Je pense que nous aurons l'occasion d'écouter la belle langue française, certains avec l'interprétariat, d'autres sans. Permettez-moi de vous indiquer que ces derniers jours, dans le cadre du Forum de Gadar, nous avons vu plusieurs événements, notamment dans le cadre de l'université franco-russe. Nous avons beaucoup parlé des programmes académiques communs. Nous avons signé plusieurs accords. Voilà, c'est juste un petit résumé de notre travail administratif. Et nous sommes aussi très reconnaissants à nos collègues qui se trouvent ici et à notre partenaire clé, à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Donc, avec grand plaisir, je donne la parole à notre collègue, notre ami, avec lequel nous sommes liés par une grande collaboration au niveau académique et scientifique, le doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Nice, Sophia Antipolis, M. Christian Vallard. Lorsqu'il m'a annoncé la thématique
qu'il va traiter. J'étais un peu surpris. Moi, je pensais qu'il allait parler qu'il allait me parler surtout des sujets de droit. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il aille parler sur la division musulmane entre chiites et sunnites. Donc, je m'attends, je ne sais même pas qu'est-ce que ça va être. Donc, je m'inquiète un peu. Mais, docteur Wallard, à vous la parole. Chers collègues, merci bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ce n'est pas forcément strictement juridique ce que j'aborde, mais cela a des conséquences dans ce domaine. Et par ailleurs, cela concerne aussi bien d'ailleurs la Russie, puisqu'il s'agit simplement de quelques brèves approches des affrontements géopolitiques sunnisme et chiisme, dont nous avons des développements depuis quelques années, qui semblent remonter à très loin, mais en réalité, pas tant que cela. C'est ce que je voudrais essayer de présenter. En 2015, il y a eu quelques événements clés, très violents. L'attaque des représentations diplomatiques saoudiennes en Iran, qui a mené une condamnation par la Ligue arabe de la République islamique d'Iran. Des attentats anti-chiites également sur le territoire saoudien. Mais également le développement, on y est toujours d'ailleurs, de la guerre en Syrie, présentée parfois de manière un peu rapide, comme en Irak, comme un affrontement entre les chiites et les sunnites. Sans compter quelques développements d'une autre nature, disons l'aide apportée par le Royaume saoudien à des mouvements arabes sunnites qui commettent des attentats sur le territoire de la République islamique d'Iran. Donc la situation au Proche-Orient est particulièrement brûlante de ce point de vue-là. Mais est-ce que pour autant, comme beaucoup de commentateurs le disent, il y a toujours eu, au long des âges, des affrontements entre les chiites et les sunnites? L'histoire montre que non, même s'il y a des clivages, et qu'en revanche, cela est relativement récent et remonte sous cette forme-là au début des années 80, décennie 1980. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, on peut développer sur l'aspect historique, mais il faut quand même le connaître. Le schisme est apparu à propos d'une question théologico-politique, puisqu'il s'agissait de la succession du prophète Mohammed. Pour faire simple, pour ceux qu'on allait appeler les chiites plus tard, c'est Ali, le gendre du prophète, qui devait, étant son gendre, de sa famille, lui succéder. Et pour ceux qu'on appellerait plus tard, ce n'était pas encore l'époque, les sunnites, tout compagnon digne d'être choisi par les chefs de la communauté pouvait lui succéder. Et Ali, effectivement, n'a été que le quatrième des califes. Il est mort assassiné par un de ses partisans, d'ailleurs, un mouvement qui a fait sécession. Mais le clivage n'apparaît qu'avec la mort de son fils Hussein en 680, la bataille de Karbala, face aux Omeyyades. Et à ce moment-là, c'est la rupture complète entre les deux approches, puisque les chiites rejettent les trois premiers califes, ceux qui ont pris la suite du prophète, ne reconnaissent les califes qu'à partir d'Ali et de ses descendants, et qu'ils appellent les imams, en leur prêtant d'ailleurs une capacité d'interprétation de lien avec Allah hors du commun, alors que le calife sunnite est a priori un homme comme un autre, certes compétent, mais qui n'a pas, loin de là, le monopole de l'interprétation divine. Il y a d'autres clivages sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Le contenu des hadiths, c'est-à-dire les faits dits du prophète, ne sont pas les mêmes pour les sunnites et pour les chiites. L'approche du Coran non plus n'est pas la même. Il y a des divergences qui peuvent être très importantes d'ailleurs, qui sont certaines, ont été gommées au long des âges. Mais je ne suis pas là pour faire un cours de théologie islamique, le grand moufti est ici présent, mais simplement pour rappeler ces notions qui ont eu cette importance. Il y a eu aussi, signalons-le, des états, des régimes politiques chiites très importants. Je pense aux Fatimides d'Égypte, qui ont créé Al-Qaïra, la victorieuse, le Caire, aux Bouyides, ou encore, à partir du XVIe siècle, ce qui allait devenir l'Iran, les Séfévides avec Ismaïl, parce qu'en 1502, l'Iran, la Perse, devient tout entière effectivement chiite et se pose comme le concurrent, en quelque sorte, de l'Empire ottoman, se présentant comme le défenseur des sunnites. Ceci étant, il n'y a pas des guerres à n'en plus finir entre les deux communautés.
Il y a des critiques théologiques, parfois des appels à des actions peu recommandables. Mais il y a plus souvent des problèmes entre les sunnites eux-mêmes, ou parfois entre les chiites, qui sont plusieurs différents. Pour faire là aussi très simple, il y a des chiites qui reconnaissent des imams qui ne sont pas les mêmes. Les plus nombreux sont les duodécimains, qui attendent le retour du 12e imam, le Mahdi, l'imam caché, à partir du 9e siècle. D'autres attendent le 7e, d'autres attendent le 5e, d'autres attendent le 11e. Je vous fais grâce ces développements en tout genre. Et on peut même se demander, j'en dirai pas plus, si les alaouites de Syrie ou du nord du Liban sont vraiment d'ailleurs des chiites. On peut sans doute en discuter. Tout ceci pour dire, de manière simplifiée, que la situation n'est pas simple. Il n'y a pas un bloc chiite. Il y a des confessions chiites, comme il y a différentes formes également de sunnisme. Et malgré les divergences théologiques ou politiques, depuis le 9e siècle, ce ne sont pas des guerres en permanence entre chiites et sunnites, loin de là. Loin de là. Les conflits apparaissent, vous disais-je, pour commencer, très récemment. Si l'on veut donner une date symbolique, prenons le 16 janvier 1979. Que s'est-il passé ce jour-là? J'imagine que beaucoup parmi vous le savent ou s'en souviennent. C'est le retour à Téhéran de l'ayatollah Khomeini. Et c'est l'instauration de la République islamique d'Iran. Vous me direz, bon, et ensuite? Mais ensuite, ça change tout. Parce que dans un premier temps, au début des années 80, l'Iran et l'Europe, et la France en particulier, en a fait l'expérience à travers le terrorisme. La République islamique d'Iran, une volonté expansionniste, et l'ayatollah Khomeini, l'intention de prendre la tête de l'Oumma, qu'elle soit chiite ou sunnite. Il y a un expansionnisme culturel, cultuel, politique iranien qui fait très peur aux monarchies du Golfe, à commencer par l'Arabie saoudite, dont les dirigeants, on le sait, se veulent les gardiens d'un islam intransigeant, l'islam wahhabite, et sont les gardiens des deux lieux saints, la Mecque et Médine. Et nous voyons se profiler, nous sommes en plein dedans, un conflit qui est non seulement religieux, mais aussi, bien entendu, politique et économique, entre les deux puissances du Golfe, l'Iran et le royaume, comme il s'appelle lui-même, le royaume, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, et laquelle se trouve concurrencée, en quelque sorte, par la volonté d'expansion religieuse de l'Iran. Des conversions se font, d'ailleurs, au chiisme, dans un certain nombre d'États sunnites, ce qui inquiète. Et comme ce n'est pas le sujet du jour, je le dis simplement, je ne peux pas le développer, l'Arabie saoudite développe de manière remarquablement structurée un soft power lié à la diffusion du wahhabisme, qu'on n'appelle pas wahhabisme d'ailleurs en Arabie saoudite, on appelle simplement l'islam tel qu'il doit être, grâce à l'argent du pétrole, avec la création de mosquées, l'envoi d'imams un peu partout, enfin cela continue. C'est la manière, en dehors de l'armement que les Saoudiens se procurent, de faire face à la menace iranienne, c'est-à-dire en quelque sorte de faire une guerre culturelle par rapport à une autre version de l'islam. Mais c'est aussi une guerre du pétrole, c'est aussi une guerre d'influence, c'est une guerre à multiples niveaux. Mais bien sûr, le facteur religieux est important, on ne saurait le négliger. Alors, il y a des exemples multiples, c'est le réveil du chiisme, et c'est un réveil souvent violent, y compris dans le royaume saoudien. 1979 ne sont pas des chiites, mais ce sont des sunnites intégristes qui veulent prendre la grande mosquée de la Mecque, qui va être libérée au prix de 200 morts, et avec l'aide des gendarmes français, au demeurant. Ensuite, il y aura des soulèvements, des manifestations, tout au long des années 80, 88, en 89, de la minorité chiite, qui est dans la zone pétrolière de l'Arabie, ce qui l'inquiète beaucoup. Soulèvements réprimés. Il y aura, en 1987, beaucoup de morts lors... du pèlerinage, les pèlerins iraniens seront tués lors d'accidents déplorables, donc vous voyez que ça avait déjà commencé à l'époque. Au Bahreïn, qui est un État dirigé par une dynastie sunnite avec une majorité chiite, il y a un soulèvement de population, il y a des mouvements terroristes qui sont démantelés, entre autres en 1988. Mais peu de gens le savent, mais un certain nombre de diplomates saoudiens sont assassinés par des terroristes chiites à la fin des années 80, au début des années 90. Enfin, 5 ou 6, ce n'est pas un nombre énorme, mais vous savez ce que cela peut causer en Russie. Votre ambassadeur en Turquie a été assassiné. Bien, il y a eu un certain nombre de diplomates saoudiens assassinés de cette façon-là. Donc l'affrontement est bel et bien réel. Se produit la guerre entre l'Iran et l'Irak. L'Irak, à l'époque de Saddam Hussein, était notre ami. Je parle des Occidentaux, des Américains, des monarchies du Golfe. On a tout fait pour l'aider, pour bloquer avec succès l'expansionnisme iranien. 8 ans de guerre, 1 million de morts. Excusez du peu, c'est quand même pas mal.
Donc, effectivement, l'expansionnisme iranien est bloqué. Mais il va se passer quelque chose que vont déclencher les Américains, peut-être sans le vouloir, enfin, ça reste à voir. C'est la chute de ce qui restait du régime de Saddam Hussein en 2003, avec l'arrivée mécanique au pouvoir de la majorité chiite, puisque les chiites étaient majoritaires et, c'est vrai, opprimés par Saddam Hussein. Et à partir de ce moment-là, tout bascule, parce que l'Iran, qui n'en attendait pas tant de la part des Américains, c'est quand même, quand on y pense, assez ironique, se retrouve avec un allié de poids, qui est l'Irak, avec des nuances hein, quand même. Et les Saoudiens, à nouveau, éprouvent une très grande peur, puisqu'ils ont un Irak chiite qui est à leur porte, avec derrière l'Iran. C'est encore pire que ce qui se passait quelques années auparavant. Puis, j'accélère un peu le mouvement de l'histoire, mais on le sait aussi, les États-Unis commencent à inspirer une grande... Ils continuent d'ailleurs, à inspirer une grande méfiance aux Saoudiens. Ils semblent se détourner d'eux. Et il y a le projet sous George Bush du Moyen-Orient démocratique, c'est-à-dire de faire de l'Irak un régime démocratique. On a vu que ça a parfaitement bien réussi, bien entendu, j'ironise. De même avec, peut-être en arrière-pensée, de faire tomber la dynastie des Saouds. Grande peur dans le royaume. Puis vient, avec Barack Obama, tout récemment, en 2015, l'accord avec les Iraniens sur le nucléaire, dont ne voulait ni Israël ni l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens n'ont plus confiance dans les Américains. Alors, incidemment, je dirais que la France et quelques autres pays en tirent des bénéfices, parce que les Saoudiens se tournent un peu plus vers l'Europe, un peu moins vers les États-Unis. Puis aussi la situation en Syrie. On ne peut pas ne pas parler. Alors, c'est là que je dis qu'il faut quand même nuancer, parce qu'elle est présentée comme une guerre entre les mouvements de rébellion sunnite, dont la branche syrienne d'Al-Qaïda, même si elle a changé de nom, Jaïch al-Fatah al-Islam, peu importe, et également Daesh. C'est vrai. Ceci étant, si la Syrie est dirigée par les Alaouites, présentée comme, un peu rapidement comme une minorité chiite, l'essentiel de l'armée d'Assad, enfin ce qu'il en reste, est composé de sunnites. La plupart des cadres de ces services de renseignement aux militaires sont des sunnites. La bourgeoisie capitaliste sunnite le soutient. Il y a en fait énormément de sunnites avec Assad. Parce que les Alaouites, c'est 10% de la population. Même en ajoutant les chrétiens, ça fait 20%. S'il avait tous les sunnites contre lui, je crois que malgré l'aide russe, son régime n'aurait pas pu subsister sans doute très longtemps. Donc c'est pas aussi simple que ça. Les opposants, on est d'accord, sont des sunnites, les mouvements de combattants sont des sunnites, mais il y a énormément de sunnites également du côté du clan Assad. Et pour montrer à quel point les choses sont compliquées, le Hamas, qui est un mouvement palestinien sunnite, est aidé depuis des années par l'Iran, qui est chiite. Comme quoi, bon, si c'était aussi simple que ça, on s'en rendrait compte. Et tout récemment, les Saoudiens, qui ont pourtant largement financé les Égyptiens, qui ont aussi pu nous acheter nos rafales, merci à eux, les Égyptiens se sont détournés des Saoudiens et se sont rapprochés de l'Iran, pour des motifs qu'il faudrait sans doute creuser, à la grande fureur, évidemment, de l'Arabie Saoudite. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas beaucoup de chiites en Égypte, hein, donc ce n'est pas l'aspect confessionnel qui joue un rôle. C'est une dimension qui est à l'évidence différente. Cependant, il est clair, en effet, que pour la République islamique d'Iran, avec la situation en Syrie, où on sait que les Pasdaran, les gardiens de la révolution iraniens, jouent un rôle important, l'armée russe joue son rôle d'une autre manière, plus dans les airs, et avec l'appui du Hezbollah, qui est le grand mouvement armé politique chiite libanais, qui fournit des combattants de valeur, il y a aussi d'autres milices chiites. Il y a des Afghans, il y a des Irakiens, il y a des gens qui viennent en fait d'un peu partout, qui sont là pour soutenir le gouvernement, enfin le régime d'Assad. Et en Irak, c'est encore plus surréaliste. Évidemment, l'armée est composée essentiellement de chiites. Il y a des troupes sunnites également, contre Daesh. Je parle de la lutte contre Daesh, contre l'État islamique. Mais vous avez aussi ce que l'on appelle la mobilisation populaire. Ce sont des milices chiites. Elles sont plusieurs. Hein. C'est très compliqué. Là aussi, nuance. Bien que chiites, certaines sont très liées à l'Iran, ça c'est clair, d'autres pas beaucoup plus que ça. Je pense à Moqtada Sadr en particulier, avec son ancienne armée du Mahdi, qui est beaucoup plus un nationaliste irakien, même chiite, que véritablement lié à l'Iran. Donc l'appartenance confessionnelle, et je rappelle au passage que pendant la longue guerre de 8 ans entre les deux pays, les chiites irakiens
n'ont pas aidé les Iraniens, et les Arabes présents en Iran n'ont pas aidé les Irakiens non plus. Le facteur national a emporté sur le facteur confessionnel. Donc, d'accord, c'est important, il faut en tenir compte. Ça n'explique et ça ne résume pas tout, loin de là. Voilà sur la situation donc, où nous en sommes. Mais le conflit s'est étendu. Vous savez qu'à la tête d'une coalition, l'Arabie saoudite est intervenue, intervient toujours au Yémen. Et je termine là-dessus, même s'il y a beaucoup à dire. Que se passe-t-il au Yémen? Il y a une rébellion houssiste, c'est-à-dire composée de chiites zaïdites, c'est le cinquième imam, qui représente 40% de la population, qui est en lutte contre le pouvoir du président. Donc l'Arabie et ses alliés sont intervenus, interviennent toujours, c'est une guerre terrible, on en est à 10 000 morts, hein. C'est pas un petit conflit, hein. Avec des succès variables. Et on vient d'apprendre tout récemment que les Iraniens ont donné leur feu vert à un certain nombre de milices irakiennes de la mobilisation populaire pour, après la chute de Mossoul, que ces milices puissent aller combattre aux côtés des houthistes au Yémen, contre les forces de la coalition. Et contre Al-Qaïda et Daesh, qui sont présents et qui, de toute façon, sont en guerre, eux, avec tout le monde, y compris entre eux. Donc, c'est comme ça, tout se passe très bien. Mais mon sujet n'est pas le terrorisme. Je ne vais pas en parler longuement, c'est un de mes domaines de recherche. Mais vous voyez, tout ceci se tient. Donc, je voulais simplement donner quelques éclairages rapides sur une situation très complexe, beaucoup plus qu'un en a l'air, dont il ne faut pas éliminer le facteur religieux. Il est important, il existe. Mais, comme toujours, il n'explique pas tout. C'est une pluralité de facteurs et d'éléments qui permettent de comprendre une situation. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Christian. Merci beaucoup. Une chose, comme tu es un vieux ami, mais j'aimerais rappeler que l'Égypte n'a pas seulement acheté les avions Rafale, mais il a aussi acheté nos Mistral. Voilà. Si les Mistral appartenaient à la Russie, je pense que nous aurions pu être efficaces en termes de lutte contre Daesh. Peut-être que j'ai tort. Je ne suis pas du domaine militaire, mais bon, c'est mon avis personnel. Dans toutes ces discussions, nous avons oublié l'opinion des monégasques. Une question, une seconde. Et je suis très reconnaissant que nous avons ici la présence de notre collègue, le conseiller du prince de Monaco, Albert II, Joël Bouzou, une personnalité qui a beaucoup fait pour les relations avec la Russie. Lui aussi, il a eu quand même beaucoup... Je pense qu'il nous en parlera plus. Les relations avec la Russie ont été positives pour lui à différents niveaux. Et je suis très content parce que l'année 2016 a été l'année de Monaco en Russie. Nous n'allons pas vous cacher que... Il y avait des pressions qui ont été faites, il y avait des forces qui ont essayé d'annuler l'année de Monaco en Russie et l'année de la Russie à Monaco. Mais malgré tout, cette année croisée a bien eu lieu. C'est sûr que Monaco, du point de vue de la superficie, est beaucoup plus petit que la Russie. Néanmoins, nous avons organisé plus de 140 événements l'année dernière et qui ont été dédiés à cette année croisée, aussi bien en Russie qu'à Monaco. Et M. Bouzou a beaucoup contribué à cela en tant que véritable ami de la Russie. Et j'aimerais aussi dire que M. Bouzou est le président de l'Association internationale Le Monde et le Sport. Il est également très lié au mouvement qui est lié aux Jeux Olympiques. Donc avant de lui donner la parole, j'aimerais dire que durant la rencontre avec le recteur de notre académie, M. Mahou, nous avions eu un accord avec M. Bouzou, que durant le prochain forum, nous aurons une discussion dédiée au mouvement olympique, au domaine du sportif, et que nous allons travailler ensemble à ce niveau. Donc avec grand respect, je vous donne la parole. Je vais commencer ma démonstration par une référence métaphorique. Référence à l'éthologie. L'éthologie qui est la science du comportement, en particulier du comportement animal. Quand il y a pression sur un territoire, on peut regarder l'agressivité se manifester. Alors, il y a pression sur le territoire pour des raisons de nourriture, pour des raisons d'accès aux ressources. Et on voit l'agressivité qui se manifeste.
L'agressivité entraîne le conflit, la lutte, et ça se traduit dans le monde animal par soit la mort, soit la fuite. Quand ça se produit dans un cadre intraspécifique, il y a des signes qui permettent finalement à l'espèce de survivre. C'est par exemple le chien ou le lion qui se met sur le dos, comme ça, je pense que je le fais bien, et qui par son comportement annule l'agressivité de l'adversaire. Quand ce type d'agressivité se produit dans un cadre interspécifique, ces signes n'existent pas et on peut arriver à la disparition d'une espèce. Alors, c'est arrivé pratiquement dans le monde quand des espèces ont été introduites par l'homme sur des territoires fermés et ont été en compétition sur un territoire pour les ressources, pour la nourriture, etc. C'est intéressant parce que ça veut dire que quand il y a signe commun, on peut quelque part désamorcer ou trouver des solutions pour réduire l'agressivité, pour réduire le conflit, pour réduire les tensions, et donc pour permettre la survie commune des individus. Alors la comparaison est peut-être osée, mais on voit dans nos États, dans nos nations multiethniques, multireligieuses, des tensions, et souvent un clivage ethnique, un clivage religieux et l'absence de signes et de communication entre les communautés. Ceci étant avec de la violence, ceci associé à parfois la déliquescence des familles ou la non-performance de l'école. Et je reviens dessus, je pense que c'est quelque chose qui est complètement fondamental. Donc tout à l'heure, vous avez parler de coopération interreligieuse, je pense que c'est très important, de la responsabilité des leaders religieux, je dirais des leaders ethniques, c'est très important, de la dimension éducative, de l'apprentissage, entre guillemets, de la tolérance. Et la tolérance, on en a parlé tout à l'heure, mais ce n'est pas quelque chose qui se décrète par un coup de baguette magique, mais c'est le résultat de l'ouverture de l'esprit. Et ce qui me permet d'enchaîner sur autre chose. Je connais très bien une activité qu'on utilise beaucoup pour aller chercher des médailles aux Jeux Olympiques, qu'on utilise souvent comme véhicule marketing pour faire la promotion de produits, mais qu'on pourrait utiliser beaucoup plus pour sa dimension éducative. Le sport. Pourquoi le sport? Le sport aujourd'hui, et un sport aujourd'hui, c'est une activité globale, neutre, mondiale, qui s'applique de la même façon sur toute la planète, quels que soient les groupes ethniques, religieux, sociaux qui la pratiquent. Un sport, c'est une règle et deux individus ou deux équipes en condition d'équité par rapport à cette règle. Pas en condition d'égalité, j'insiste bien, en condition d'équité. Et une histoire qui s'écrit à partir de là. Un sport, c'est une règle qui est créée par, en général, une fédération internationale, avec un groupe de 20 personnes qui constituent son exécutif. Dans ces 20 personnes, en général, il y a tous les groupes ethniques, toutes les religions, toutes les couches sociales qui sont représentées. Donc il y a une neutralité et il y a une crédibilité de la neutralité et donc la capacité quelque part à venir percuter un certain nombre de problèmes auxquels on est confronté. Alors on pourrait regarder un sport s'applique de la même façon sur toute la planète et un pays, quelque part c'est tous les sports dans un territoire limité dans lequel très souvent plusieurs religions et différents groupes ethniques sont rassemblés. Et on a des leaders qui ont en charge la stabilité des relations entre ces populations. Pourquoi cette neutralité de fait et cette crédibilité du sport ne pourrait pas être utilisée
non pas seulement pour organiser des compétitions, mais pour, parce que c'est un langage qu'on peut parler en condition d'équité, dans un cadre neutre, même si on n'a pas la même religion, même si on ne parle pas la même langue, pourquoi ne pas utiliser cela non seulement pour créer du langage, mais aussi pour créer du dialogue. C'est la question que je pose et c'est le travail que nous effectuons avec Peace and Sport. Donc ce langage unique peut déboucher sur des programmes cohérents dans ce cadre, sur des actions diplomatiques, sur des rencontres avec des équipes qui peuvent aussi parfois être mixtes. Quand les équipes sont mixtes, il n'y a plus de perdants, il n'y a plus de gagnants, il y a juste une histoire qui s'écrit. Je parlerai en tant qu'exemple des jeux de l'amitié que nous avons créés dans la région des Grands Lacs, sur les frontières des conflits ethniques entre les Hutus et les Tutsis, dans une région entre le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo, où les frontières postcoloniales ne correspondent pas aux frontières ethniques, mais où, grâce au sport, on a réussi de chaque côté des frontières à créer de la stabilité. Donc ça, c'est un exemple. On parlera de la ping-pong diplomatie, on parlera d'autres exemples en matière de diplomatie qui sont possibles. Et nous sommes, Peace and Sport, à disposition de tous pour développer ce type de programme avec l'expertise que nous avons pu accumuler. Le dernier point que je voudrais mentionner quand on parle du sport, ce sont les fantastiques modèles que sont les athlètes. Un athlète olympique est... Donc j'en représente 100 000 dans 148 pays dans le monde. Un athlète olympique, c'est plus qu'un champion. C'est un athlète qui a travaillé 8 ou 10 ans pour participer à une compétition olympique. C'est un athlète qui a un parcours international conséquent. Dans le cadre de son parcours international, il a rencontré, je dirais, tous les groupes ethniques, tous les groupes religieux, tous les autres athlètes avec des sensibilités complètement différentes, et le résultat de la pratique du sport, c'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture à la tolérance. Mais ces athlètes-là sont aussi connus dans leur pays, dans leur communauté, qu'ils soient champions du monde ou champions de leur rue, olympiens, ils sont connus par les jeunes. Et ils ont la capacité de devenir des prescripteurs, c'est-à-dire de pouvoir transmettre l'ouverture d'esprit qu'ils ont acquise à une jeunesse qui... est trop souvent prisonnière de ces traditions exclusives et excluantes. Et donc, je pense qu'il serait intéressant, et surtout dans des pays tels que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui ont une incroyable force au niveau du sport, avec des champions qui sont des héros, de pouvoir utiliser ces champions et la neutralité du sport pour mobiliser la jeunesse dans un cadre où la tolérance est le résultat. Voilà en gros ce que je voulais dire. Il s'agit de regarder le sport d'une façon un peu différente et de le regarder dans un cadre où, effectivement, il peut contribuer à la stabilité de la société. Je reviens au sujet sur lequel nous devons parler aujourd'hui, qui n'était pas simplement cantonné à la Russie, mais qui parlait en particulier of the ways of solving the problems. Quelles sont les solutions pour régler les problèmes? Voilà une possible solution qui n'est pas unique, mais qui est tout à fait réaliste et pragmatique. Merci. Merci, Monsieur Bouzou. Je pense que nous avons beaucoup de choses à réfléchir tous ensemble. Je vous remercie pour votre soutien et de nos sportifs pour avoir parlé d'eux de cette façon. Nous savons qu'actuellement, il y a des processus pas simples qui se déroulent dans ce domaine. Le prestige du sport russe et de notre pays, il y a une attaque qui est subie. Nous espérons que nous allons réussir à passer ce temps difficile. Et cette façon... Et justement, comment faire face à ces défis? Est-ce que nous devons faire comme le lion, comme on l'a montré tout à l'heure, la pose du lion? Moi, je ne sais pas. Moi, par exemple, quand on m'attaque, moi, je prends la position du boxeur.
Et comme le dit le boxe, nous disait notre président, lorsque je vois que la bagarre est inévitable, je préfère frapper le premier. Peut-être que nous devons chercher des solutions différentes. Mais vous savez, nous avons une longue histoire et c'est sûr que si nous prenons la pose du lion sur le dos, nous allons peut-être devenir trop petits, comme un peu comme Monaco. Peut-être que maintenant on vivra, peut-être qu'on vivrait aussi bien que vous, mais ça c'est une autre histoire. Donc j'aimerais entendre la voix notre représentant du business russe. J'aimerais donner la parole à Alexandre Vassilievitch Mourychov, qui est l'idéologue de notre business, vice-président de l'Union des industriels et des entrepreneurs russes. Mais je voudrais remarquer ce que vous êtes cofondateur du comité de l'entrepreneuriat ethnique. Et vous comprenez, c'est que nous avons eu des discussions avec nos homologues allemands du fonds d'Adenauer. Et le modèle a dit c'est que s'est rencontré avec le groupe de businessmen russes. Elle était très surpris qu'ils sont sans morale, sans moralité. Mais est-ce que vous rencontrez des personnes de business qui sont très, qui ont très haut niveau de morale? Parce que c'est toute une autre chose. Je crois que c'est plutôt oxymoron. Qu'est-ce que vous entrez dans cette nation-là? Qu'est-ce que vous proposez comme, comme solution? Est-ce que ça a le sens? Ok, je vous donne la parole. Merci pour ma présentation, si honorable. Je vais commencer par votre question sur la moralité des hommes de business. Qui est plus moral ou moins moral, c'est le businessman russe ou étranger? Je crois que c'est la question particulière et personnelle. L'influence de culture, etc. C'est une question bien tout à fait philosophique. Je voudrais dire, en bref, parce que je crois que tout le monde est déjà un peu fatigué, c'est que le business, elle n'a pas de diversité ethnique et n'a pas de... Parce que le business est construit selon quelques autres formules. Elle n'a pas d'influence ethnique, c'est une sphère pragmatique. Elle essaye de créer le profit, de créer des places de travail et donner la possibilité de développer à l'État, à l'économie nationale. Si parler du business russe, de son humeur, c'est comme dans l'Église et comme le facteur spirituel à l'attitude de business envers le domaine spirituel, tout à fait loyal. Parce qu'il y a plein de croyants ou non-croyants, mais le business voit ces gens plutôt comme des clients. Et le business est loyal pour toute communauté religieuse. On disait c'est que pour les dernières 30 ans, on a augmenté en 30 fois des cures et des communautés religieuses. Et bien sûr, c'est le support financier des business pour tout ce processus-là. Et je crois que n'importe quelle corporation, n'importe quelle entreprise a quelques programmes d'assistance sociale. Elle supporte l'Église ou une confession. La structure spirituelle de notre État à n'importe quelle mesure. Et chaque corporation a ses investissements dans le domaine de développement de confession. Chez nous, l'entrepreneuriat social est bien développé dans notre pays. Il y a des rapports sociaux qui sont connus comme des rapports non financiers. C'est juste les programmes d'assistance sociale pour l'augmentation du niveau
du niveau du peuple et de l'ambiance dans laquelle le business fonctionne. Je crois que c'est une opportunité parfaite. Et si comparé avec la situation, par exemple, il y a 20 ou 30 ans, la responsabilité de business pour l'ambiance dans laquelle le business fonctionne, je crois qu'il y a la grande différence. La responsabilité sociale des entreprises s'est augmentée. Je voudrais remarquer une question, c'est que notre patriarche disait, c'est qu'il faut obligatoirement introduire dans des écoles, dans des universités, les études des confessions et l'éducation théologique. Je voudrais vous donner un autre exemple. Par exemple, à l'époque soviétique, quand tout l'État était bien athéistique, nous n'avons pas eu des conflits interrégionaux, interreligieux, juste quelques exceptions probablement. Et dans des écoles, il n'y avait pas d'études de théologie dans des écoles. Et je suis d'accord, c'est qu'on peut interpréter différemment la diversité ethnique. Alors, j'aime plutôt unanimité, unité, pas la diversité, moi personnellement. Et notre État, avec telle approche spirituelle, avec des Nations Unies, je dis c'est que une nation avec telle diversité, c'est un projet unique, c'est un État unique. Avec la présence de toutes les confessions traditionnelles. Je vais dire ce que Monsieur Vallard nous disait sur le Moyen-Orient, des exemples sur le Moyen-Orient, vous connaissez, il faut conserver la nature de notre État, notre consolidation des nations au niveau du peuple. Je crois que c'est vraiment le grand succès de Russie, unifier toutes ces nations dans une unité. C'est, je crois, non seulement de l'époque de tsarisme russe, mais aussi de Russie qui vient. Et je crois c'est une force qui influe sur notre mentalité, qui donne la possibilité de voir des frontières qui ne doivent pas surpasser, parce que les hommes, ils comprennent qu'ils doivent être tolérants dans un pays où il y a plus de 150 nationalités. Alors, bien sûr, il y a l'étude dans des écoles, il y a l'éducation. Alors, je suis pour que la théologie soit bien étudiée dans des enseignements. C'est un très bon exemple sur le sport, ce que M. Bizot nous a donné. Il y a plein d'héros de sport, sont des idoles pour notre jeune génération. Et je voudrais dire, c'est que les entrepreneurs, comme une communauté, on peut bien sûr trouver des personnalités qui ont joué leur rôle très important dans la création de business avec la responsabilité sociale. Bien sûr, les masses médias, ils montrent des détails négatifs dans le domaine de business. Mais au cours de 30 derniers ans, notre business a grandi, il a été élevé. Et c'est beaucoup civilisé par rapport aux années de 20 ou 30 années.
Je veux dire, c'est que les entrepreneurs sont des personnes très actives qui forment ces quelques pourcents de population, mais de population, quelques pourcents très actifs qui portent la responsabilité énorme sur le développement des régions, des municipalités et du pays. C'est une partie la plus active des sociétés publiques. Je veux dire, c'est que cette couche de population s'est vue très bien. Oui, c'est très important de parler de l'éthique, de la morale dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous espérons que cela se continuera à se développer dans notre pays. Nous allons clôturer d'ici 10 minutes. Je vais essayer d'être bref. Dans Igor, le cadre de notre académie et qui est membre de la commission interethnique, je pense que ce sera la dernière intervention. J'ai enfin compris, c'est grâce au fait que je fais partie de l'académie. Oui, je vais rester de côté mon speech que j'avais préparé. Je vais juste donner deux, trois réponses. En parlant de l'expérience positive qui existe, la Russie est un pays à succès en termes de gestion des peuples et des religions. Ce n'est pas une fierté, même si c'est bien sûr une fierté, mais c'est aussi une grande responsabilité. Et la création d'un État multiethnique s'est faite ici à Moscou. Je fais partie du conseil auprès du gouvernement de Moscou sur les questions interethniques, y compris sur les questions du développement religieux du peuple russe. L'année dernière, nous avons adopté la stratégie nationale de la ville de Moscou. Donc, deux, trois déclarations que j'aimerais faire en ce sens. Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de la politique nationale. Vous savez, nous devons comprendre très clairement que nous n'avons pas le droit de mélanger la politique nationale à la politique culturelle. Nous ne devons pas les mélanger. Ou la politique régionale. Moi, je pense que nous avons l'expérience de l'URSS qui s'est disloqué justement parce qu'on n'avait pas une politique nationale juste. La politique nationale est un aspect très important. Et au XXIe siècle, il y a de plus en plus de fonctions qui apparaissent à cette politique nationale. Aujourd'hui, le monde entier est en train d'adapter ses formes de développement. Il est en train de passer des aspects techniques vers des aspects de qualité. Prenez Sergueï Lavrov. Lors du forum de Klaïsma, il avait dit que dans n'importe quelle question d'ordre international, il reste toujours l'aspect qui prend en compte l'aspect religieux et ethnique. Les Chinois ont adopté la stratégie qui prend en compte le bonheur du peuple. Donc, il faut toujours réfléchir en catégories. Et parce que toutes ces catégories vont avoir une influence directe sur l'économie, sur d'autres domaines, et nous ne devons pas laisser la politique nationale poursuivre son chemin sans être contrôlée. Nous devons avoir un contrôle net là-dessus. J'aimerais aussi mentionner deux moments. La première fois, dans la stratégie de Moscou, nous avons commencé à parler d'une majorité ethnique. En principe, c'est une formulation assez simple. Parce que le but annoncé, c'est l'harmonisation des relations interethniques. Mais la base de tout cela, c'est un concept assez compliqué, assez complexe. Et il faut dire là-dessus que lorsque nous avons écrit cette formulation, c'est moi qui l'ai écrit, nous avons pris comme base la déclaration de Poutine lorsqu'il avait eu une rencontre en Crimée. Il avait dit, prenant en compte les intérêts de tous, quel que soit le nombre, quelle que soit l'appartenance ethnique ou religieuse. Et cette formulation de prendre en compte les intérêts de tous, de la majorité, comme de la minorité, peu importe la quantité de chacun, peu importe l'appartenance de chacun, c'est la base de notre politique nationale aujourd'hui. J'aimerais aussi parler avec nos collègues européens.
beaucoup de gens ont oublié que la convention devienne de défense des minorités ethniques, statut 24. Il n'est pas seulement mentionné les minorités ethniques, mais il est également mentionné, il est fait mention de la majorité ethnique. Donc notre formulation, elle permet non seulement de prendre en compte la partie. Nous, avec notre formulation, nous avons aussi le dialogue dans nos relations avec l'Europe. Nous pensons qu'aujourd'hui, le problème n'est pas le problème des migrants. C'est le problème des peuples européens qui se pose parce qu'ils ont perdu l'identité qui leur était propre. Et aujourd'hui, la majorité européenne ne prend plus en compte la particularité de l'identité et on favorise les minorités et ces minorités augmentent. Troisièmement, que j'aimerais mentionner, dans la stratégie moscovite, nous avons mis aussi en place une nouvelle terminologie. Nous avons refusé le terme de multiculturalisme, mais nous parlons de diversité des cultures. Nous ne parlons pas de tolérance, mais nous parlons de la vie en harmonie. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé depuis des siècles dans notre cas russe. Et nous avons fait un pas très fort en avant comparé à tout ce qu'on avait avant à ce jour. Et justement en relation à cela et du point de vue compte tenu de l'aspect international de notre discussion, vous savez, chacun a son propre système de valeurs. Nous parlons avec les Européens, nous avons différentes notions de famille. Par exemple, en Europe, il est devenu normal de parler de famille quand il y a deux pères, alors que chez nous, non. Nous devons être d'accord sur une chose importante. Chacun de nous a le droit d'avoir ses propres traditions de valeurs. Et la question, le but n'est pas d'en avoir des visions communes, mais justement d'avoir des particularités à nous, propres à chacun de nous, et que nous puissions nous respecter, respecter les lois qui existent chez vous, les approches qui existent vous, et de votre côté, celles qui existent chez nous. Ainsi, nous aurons une harmonie, aussi bien au niveau européen qu'au niveau mondial. Dernier point, notre collègue français avait très bien dit, en parlant du proche du Moyen-Orient, et effectivement, aujourd'hui, le nouveau phénomène de la politique nationale, c'est l'apparition d'une politique continentale. La première fois, aujourd'hui, des relations au sein de l'espace eurasiatique sont aussi fortes que les événements au niveau de cette région du Proche et du Moyen-Orient. Cela a eu une influence aussi sur les processus qui existent ailleurs, notamment en Europe. Nous avons créé, il n'y a pas longtemps, le Conseil sur la politique eurasienne, eurasiatique, et je vous invite, notamment nos hôtes européens, nous allons avoir une première conférence qui sera dédiée au nouveau phénomène de la politique nationale continentale. Nous vous invitons. Deux dernières choses que j'ai envie de dire. Le peuple russe, c'est une base, c'est la base de l'orthodoxie. Et étant la majorité de notre grand pays, les Russes voient leur existence comme un travail commun avec tous les autres peuples, et un travail en coordination, pas seulement avec l'orthodoxie, mais avec toutes les religions traditionnelles de la Russie. Et quand nous avons formé notre stratégie, nous nous sommes toujours rappelés des paroles du Saint-Patriarche Cyril, c'est à savoir l'objectif d'assurer une compréhension mutuelle entre le peuple russe et l'État russe, et d'assurer l'unité entre le peuple russe principal, le peuple ethniquement russe, slave, et les autres peuples qui composent la Fédération de Russie. Tout cela, nous l'avons mis dans notre stratégie, nous l'avons fait avec des mots aussi simples que possible, et je vous demande à ouvrir le site du gouvernement de Moscou. Vous pourrez lire aussi mon commentaire là-dessus, où chaque article est commenté par moi-même. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Igor Barinov. J'aimerais quand même, vous avez parlé des deux termes qu'on n'utilise pas, le multiculturalisme et la tolérance. C'est vrai que je ne pense pas que c'est une percée si importante. C'est bien de réécrire les termes, mais moi, en tant que moscovite, moi qui ai lu cette conception, j'aimerais poser. Ceux qui refusent ces deux mots, vous devez avoir à l'esprit qu'à Moscou, il y a des processus très compliqués qui se passent. Il y a une situation qui apparaît pour la première fois de notre histoire. Nous avons des quartiers qui se forment avec des groupes ethniques fermés. En principe, ils ont le droit d'être là, ce sont des minorités. Vous pouvez rire, mais
on n'avait jamais eu des quartiers entiers à l'intérieur desquels, lorsqu'on sort de l'appartement, vous pourrez comprendre qu'il y a certains quartiers où, lorsque vous rentrez dans le magasin, la personne qui travaille ne parle pas forcément bien russe. Est-ce que vous savez aussi que nous n'avons pas de mortalité de la population chinoise? Au fil des dernières années, nous avons la population chinoise qui augmente très considérablement. C'est une diaspora qui augmente sans cesse. Et nous avons à peine 5-6 morts par an. Et c'est très simple, parce que les passeports sont passés entre les personnes qui sont mortes et qui sont vivantes. Et c'est très difficile d'en voir clair là-dessus. Parce qu'il y a parfois un passeport chinois qui peut servir plusieurs personnes à la fois. Donc j'aimerais porter votre attention. Donc, au lieu de parler de concepts différents et de mots différents, de valeurs différentes, je pense qu'au lieu de parler de valeurs différentes, nous sommes une nation européenne, nous sommes une nation de culture européenne et nous avons des valeurs européennes en commun avec nos amis européens. Donc, je ne sais pas, ce sera peut-être bizarre pour vous, mais j'aimerais défendre nos collègues européens. Vous savez, chez eux aussi, les enfants naissent d'un père et d'une mère. Peut-être que vous pensez que c'est bizarre, mais c'est la réalité. Non, j'aimerais dire une chose. C'est vrai que nous avons eu un héritage très compliqué. Lorsque nous avons écrit la stratégie pour la ville de Moscou, nous avons effectivement eu beaucoup de défis. Nous avons mis en œuvre Nous avons aussi mentionné les problèmes que vous avez abordés par rapport aux quartiers ethniques qui ont commencé à apparaître. Donc merci pour de l'avoir mentionné, mais nous aussi nous prendre en compte ces processus. Vous devez le comprendre. Maintenant c'est bon, j'ai. C'est pas par hasard que nous avons entendu beaucoup de personnes qui se sont exprimées en termes d'identité, notamment l'identité liée à la nation et au terme du peuple. C'est une question de pouvoir. Ici, nous discutons des sujets qui sont liés au pouvoir, aussi bien en Russie que dans d'autres pays, à d'autres endroits du monde. Et je pense que aujourd'hui, le fait que nous mentionnons le terme de nation, le terme de peuple, cela est très important. On nous dit assez souvent que l'identité civile, si vous voulez, et aussi l'identité religieuse, nous savons qu'entre ces deux identités, et entre n'importe quelle identité, nous savons qu'il y a des différences. Mais moi, mon identité religieuse reste principale, la principale. Et je ne suis pas le seul à penser ainsi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ainsi. Il y a des musulmans qui pensent comme ça, des chrétiens orthodoxes. Pour beaucoup de gens, leur vie est basée sur la religion. Et à partir de la religion, se fait... Et je pense que la religion doit être la base de la politique d'État. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces gens. Vous pouvez ne pas être d'accord avec eux. Mais ces gens existent. Et vous devez tenir compte de cette identité religieuse qui, pour eux, est principale. Aujourd'hui, nous avons parlé des traditions religieuses qui bien sûr, ne justifient pas les meurtres, l'agression. Mais en même temps, dans chaque religion, il y a aussi le terme de défense légitime. Lorsque tu es attaqué, tu as le droit de te défendre. Il faut avoir à l'esprit tous ces différents points de vue religieux, ethniques. Et il est impossible de diviser la politique de l'État de la religion. C'est un mythe que c'est possible. Il y a des mauvais exemples avec l'utilisation de la religion. Mais il y a aussi de bons exemples lorsque la religion travaille en étroite collaboration avec l'État. Et il serait très erroné de ne pas tenir compte de l'aspect religieux. Nous devons nous regarder dans les yeux. Et nous devons construire un dialogue commun sur la base des idées,
des thèmes, des points de vue qui forment la réalité politique, économique, sociale, etc. Merci. Merci beaucoup. Grand merci. Chers collègues, on travaille déjà depuis longtemps. Alors, je crois que c'est le temps bien de finir. Mais quand même, je veux dire quelques mots. Alors, j'ai une petite quelques mots sur le commencement de notre discussion. C'est que Hilarion nous disait sur la menace de non-compétence dans des questions religieuses qui a été supportée par des participants de notre édition. Bien sûr, le sport comme une base qui peut unifier le peuple, c'est très bien. C'est vraiment sans ironie, je dis ça. Et je vous supporte aussi, c'est que la moralité de business, ça presque n'existe pas. Mais la responsabilité de business, la responsabilité avant la communauté, c'est important. Et mais la religion et l'éducation sont des instituts conservatifs et ça doit être comme ça. Et juste deux mots sur la théologie comme un domaine, comme Hilarion nous disait. Un événement qui a été eu en 2016, la théologie a été introduite dans la classification comme un domaine auquel on peut protectionner la thèse et avoir le doctorat. Et vraiment, je crois que la religion et l'enseignement, ce sont des bases de communauté. Sans théologie, notre éducation, notre enseignement ne peut pas se développer. Parce que la théologie, je crois, ce n'est pas l'alternative de quelques connaissances des religions ou quelques heures additionnelles pour l'étude des religions. C'est une vision. C'est une vision et la compréhension des religions et aussi la transition, même la compréhension des religions comme une science et la compréhension des valeurs de culture qui sont manifestées dans des religions. Bien que nous croyons, c'est que notre communauté n'est pas religieuse. Alors, on investit des finances sur le support de l'esprit de nation. Il y a des conférences, il y a des grants à ce sujet-là. On fait la préparation sur des relations interconfessionnelles, interreligieuses, etc., etc. Cette préparation et augmentation de qualification des fonctionnaires, des spécialistes religieux, c'est bien important. Mais la théologie, ce n'est pas le cas. La théologie, c'est une des formes, c'est une des visions des problèmes. C'est que nous consacrons notre session. Probablement, c'est même le niveau plus haut, la théologie. À vrai dire, chez nous, il y a plein d'universités, d'instituts, plein quelques centres qui préparent des spécialistes religieux. Mais ceux-ci qui représentent quelques confessions, ceux-ci qui sont attachés à quelques confessions ou à la religion, ils comprennent plus. Et je suis sûr, c'est que à notre époque, quand la théologie devient le champ pour le dialogue, le champ additionnel pour l'interaction, elle a besoin pour que nous, peu à peu, très doucement,
pourrait construire ce domaine sur le niveau très haut théorique. Ça doit être les spécialistes, les groupes de spécialistes. Ça doit être quelques spécialités dans ce domaine de théologie, probablement selon quelques sujets thématiques ou sujets de confession. Et bien sûr, cette activité est menée dans l'école de post-deuxième cycle et de doctorat. Mais je vous invite de réfléchir à ce sujet, c'est que la théologie n'est pas une alternative, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité d'une vision, de voir des problèmes, ce que nous traitons aujourd'hui. Merci beaucoup. Henri VIII aussi pensait beaucoup à comment manier la théologie et l'État. Chers collègues, il nous reste, il est temps de clôture, mais comprenez-moi aussi. Je ne peux me permettre de ne pas donner la parole aux représentants du ministère compétent parce que j'ai envie de garder mon poste. C'est un collègue avec lequel je travaille depuis plusieurs années. Voilà, qui travaille au niveau du ministère de l'Enseignement, une personne qui a beaucoup étudié les relations interethniques et interreligieuses. C'est aussi le professeur de notre chaire. Dans notre académie. Merci beaucoup. Chers collègues, en fait, je ne voulais pas prendre la parole parce que c'est vrai que je sais que vous êtes, beaucoup d'entre vous sont fatigués. On a beaucoup parlé, mais on m'a dit que vous devez justifier votre place au sein du Présidium. Très rapidement. Donc, nous devons tous comprendre notre niveau de responsabilité devant la génération qui va arriver, qui va nous remplacer. Nous avons beaucoup, la plupart d'entre nous avons 40 ans et plus. Et bientôt, c'est nos enfants qui vont porter la responsabilité pour leurs propres enfants. Donc évidemment, il faut leur donner un verre d'eau pour qu'ils puissent être prêts pour l'avenir. Vous savez, il y a une phrase très, très intéressante. Le peuple qui ne connaît pas son histoire devient juste une population. Et je n'ai pas envie de changer cette phrase, mais je pense que le peuple qui oublie son histoire et qui oublie ses traditions ethnico-culturo-religieuses sera une simple population qu'il sera facile à diriger depuis l'extérieur. Nous n'avons pas d'idéologie. Et pour moi, c'est assez étonnant, parce que je pense que pour construire une nation, nous devons avoir une architecture, nous devons avoir une idée nationale, que nous n'avons pas encore. Nous n'avons pas d'idéologie, et nous ne savons pas quelle société nous souhaiterons construire. Nous n'avons pas encore de plan architectural, mais il y a une tradition que nous devons garder. Il n'y a pas d'idéologie, il y a des traditions, et ces traditions, nous devons les transmettre. Je pense que c'est ça qui doit être une mission national pour tout le monde, pour les ecclésiatiques, pour les historiens, pour tous les professionnels. Parce que si nous ne le faisons pas, nos enfants ne vont pas parler la langue russe. Et ils vont transmettre des valeurs différentes à la prochaine génération. Je pense que c'est ça qui est une mission principale, de premier choix. Et c'est là où, à mon avis, se trouve un potentiel très important dans lequel se trouve notre mission aussi. Donc, connaissant cette responsabilité, je pense que chacun d'entre nous doit faire son travail, que ce soit au niveau des plateformes religieuses, des plateformes laïques. Parce que si nous n'allons pas former convenablement nos enfants, nous n'allons pas justifier notre existence. Et nous allons devoir répondre devant notre histoire et devant les enfants aussi. Nous devons sauvegarder ce que nous avons. Merci. Oui, oui. C'est sûr que ma collègue attendait qu'on lui serve un verre pour boire. L'eau est là, mais personne n'a envie de boire. À part. Si on n'a pas envie de boire, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, trois mots. Ma première proposition, ne la prenez pas encore. J'aimerais remercier notre non-modérateur pour la première fois. Au forum de Gaïdar, nous avons une section qui est dédiée aux questions nationales, ethniques et religieuses. Et je pense que nous devons faire de cela une tradition. Cela, Dieu en prendra compte. Trois points maintenant, trois thèses que j'aimerais vous dire. Donc,
je formulerai la... après avoir écouté tous les intervenants et notamment les représentants des principales religions, la religion, c'est une maison aussi bien de la culture que de la science. Dans son développement historique, sans la religion, il n'y aurait pas eu de culture. Sans la culture, il n'y aurait pas eu de science. Bien sûr, il y a un processus de modernisation qui se déroule. Et aujourd'hui, la religion devient de facto un institut de la société civile. Dans toutes les sphères, dans tous les domaines. Plus que cela. Bien sûr, nous avons des leaders religieux, ecclésiastiques, qui sont très bien formés. Et notre patriarche, qui est un représentant musulman des autres confessions, c'est parfait. Qu'est-ce qui inquiète? Il a été dit aujourd'hui, lors de notre discussion, que nous devons faire attention avec les paroles. Moi, j'ai réfléchi. Pourquoi, par exemple, le catholicisme, c'est bien. Le bouddhisme, c'est bien. Mais l'islamisme, c'est un mauvais mot. Pourquoi? Pourquoi le mot islamisme est devenu comme un terme forcément négatif? C'est pas une approche juste. Et elle contredit même l'approche de la notion islam. Donc il faut faire très attention, selon moi, dans cette question. Chaque religion a sa grandeur. Et bien sûr que la religion devient au même titre que l'école primaire, secondaire, supérieure, dans la formation de la personnalité. Deuxième question, la question nationale. Je ne vais pas Nous avons beaucoup de scientifiques connus qui ont travaillé dans ce sens, mais quelle est la question qui ressort? Si on lit bien notre constitution russe, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que nous comprenons par la notion « moi, nous, peuple multiethnique de la Fédération de Russie ». La Fédération de Russie, c'est maximum, elle a maximum 100 ans si on prend en compte l'histoire à partir de 1917. Alors que la Russie, en elle-même, l'État russe a plus de 1500 ans. À partir de la Russe de Kiev. D'accord, on va pas... plus de 1000 ans. C'est d'autant plus. Donc, quelle est la logique? Dans la Constitution dit aussi, nous sommes le peuple de Russie. Nous, le peuple de la Fédération de Russie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nos ancêtres, et notre histoire, vous allez dire, dans la Constitution, il est dit, donc la Russie est égale à la Fédération de Russie. Et vous, en tant que juriste, c'est sûr que, dans ce cas, on aurait dû marquer dans la Constitution que nous sommes le peuple de la Fédération de Russie tiré Russie. Parce que nous devons associer la notion de la Fédération de Russie à l'État russe, à la Russie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi la Constitution ne mentionne pas le peuple russe, seul et simplement peuple multiethnique? Il y a le peuple américain, peuple italien, français, mais le peuple russe, je ne parle pas de nation, je parle du peuple russe. Pourquoi il n'est pas mentionné dans la, pourquoi cette notion n'est pas mentionnée dans la Constitution? Donc en tant que peuple multiethnique de la Fédération de Russie, nous sommes une population. Et c'est une population, c'est pas une nation de l'État. Et si dans la première partie de la Constitution, nous disons que notre pays, du point de vue juridique, que nous avons un État fédératif, démocratique, mais pourquoi nous ne disons pas alors que nous sommes un État-nation? Et troisième thèse liée à cela,
ressort du fait que le problème de l'enseignement, en se basant sur la tolérance, je ne dis pas que le mot tolérance est mauvais, c'est un très beau mot. Je parle du fait, du point de vue des relations interethniques et interreligieuses, il faut qu'il y ait des cadres adéquats. Aujourd'hui, il y a une mission qui a été confiée par le président pour mettre en place des standards dans la formation de cadres professionnels dans la relation interethnique et interreligieuse. C'est notre académie qui a pour mission de travailler en ce sens. Et ce standard va être conçu et nous allons devoir former des cadres en ce sens. Je pense qu'à la base de la formation de ces cadres, nous devons pousser notre académie du service public dans laquelle nous nous trouvons. Voilà les trois thèses que je voulais mentionner. Merci pour votre attention. Permettez-moi de remercier le peuple multiethnique de Russie. Tout le meilleur à vous et bon week-end. Merci.